Carmita, c'est une pièce que j'ai composée à la suite d'une pièce pour violon et électronique qui s'appelle Partita, pour violon et électronique. Et la spécificité de cette pièce, c'est que le violon dialogue avec l'électronique. L'électronique, c'est ce qu'on appelle l'électronique en temps réel. C'est-à-dire, ce n'est pas une électronique qui est enregistrée, mais c'est une musique électronique qui répond à ce que fait le soliste. C'est-à-dire, si le soliste joue plus lentement, plus rapidement, l'électronique s'adapte. Et c'est même le violon qui décide de la couleur des sons électroniques. Donc, c'est une pièce totalement interactive. Et une fois que j'avais composé cette pièce pour violon, on m'a demandé de faire une version avec un ensemble. Et donc j'ai repris la pièce pour violon et j'ai rajouté l'ensemble autour. Et ça devient une espèce de concerto dans lequel le violon dialogue à la fois avec l'ensemble, mais il dialogue avec l'électronique. Et ce qui se passe, c'est que des fois c'est le violon qui détermine le tempo de la musique électronique. Et le chef d'orchestre doit s'adapter au tempo de la musique électronique. Donc finalement, des fois, c'est le violon qui dirige. C'est le violon qui dirige le chef d'orchestre, dans le sens où c'est lui qui imprime sa marque et il donne le tempo, si c'est plus rapide, plus lent, etc. Donc il y a tout un jeu de correspondance et d'interaction entre le chef, la violoniste ou le violoniste, et la musique électronique. Et c'est la musique électronique qui fait le lien entre toutes ces composantes.